Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Nous allons aujourd'hui ensemble découvrir la dernière extension sortie hier avec la mise à jour d'août de Race Room Racing Experience. On est évidemment sur PC, il s'agit du championnat du monde de tourisme, le World Touring Car Cup 2018, remplaçant le WTCC qui fait son apparition donc avec au programme 7 nouveaux modèles inédits dans le jeu avec 25 livrées qui reprennent donc l'ensemble des couleurs de cette année 2018. Un pack qui est vendu au prix complet de 14,95€. Pour découvrir tout cela, je vous ai fait quelques plans en course avec les différentes voitures. Sachez également que cette extension est disponible dans la description si vous souhaitez plus ample renseignement ou tout simplement l'acquérir via le store Race Room. Entamons ensemble les points importants de ce nouveau DLC avec tout d'abord la réalisation. Alors on a ici affaire à du contenu sous licence, bien sûr, une licence qui intéresse bon nombre d'éditeurs de simulation, déjà disponible en mode donc non officiel sur Assetto Corsa. Certaines voitures sont disponibles également sur Air Factor 2. Il existe également du contenu à peu près officiel de voitures de tourisme de TCR sur Project Cars 2. On sait que iRacing lorgne également sur la venue de la discipline sur sa plateforme, mais cela durera encore longtemps avant de voir arriver ce genre de voiture sur le titre américain. Pour l'heure, nous avons donc ici l'entièreté de la grille 2018 avec des voitures qui ont toutes leurs spécificités. Alors sur le papier, pour résumer, que vous compreniez un petit peu l'idée, même si on n'est pas précis, ce sont des voitures d'une tonne 300 avec environ 350 chevaux de puissance pour des 4 cylindres qui développent évidemment leur puissance sur les roues avant. Ce sont des tractions. Les 7 modèles de ce championnat sont de ce comportement-là et on le ressent très bien dans le soin apporté une nouvelle fois au force feedback dans la réalisation de ce contenu. On y reviendra un petit peu après dans la physique. Pour la réalisation, les voitures sont très jolies, en tout cas les intérieurs sont tous bien distincts, bien séparés. Un petit mouvement également sur certains éléments qui sont agréables, les essuie-glaces, notamment le filet qui protège la vitre côté pilote. On a un soin tout particulier apporté aussi aux caméras qui sont particulièrement bien sélectionnées, bien placées. La réalisation des livrées est aussi extrêmement fidèle, les couleurs sont vraiment très bien faites. En tout cas, moi quand je vois le peloton évoluer en vue télévisée, j'ai vraiment l'impression de voir le peloton IRL. Autre point important dans la réalisation, eh bien, c'est que vous le savez sans doute, ces voitures sont soumises à ce qu'on appelle une BOP, une Balance of Performance, et c'est ici assez bien retranscrit puisque devant on retrouve eh bien, les voitures qui dominent le championnat depuis le début de saison. Les Hyundai, quelques Seat Cupra, de temps en temps les Audi, surtout les Peugeot, notamment celle d'Aurélien Comte, et parfois quelques petites piges pour certaines voitures un peu plus en milieu de peloton. Donc pour cela, je dois admettre que la hiérarchie est extrêmement bien ficelée avec, pour l'instant, quelque chose de solide. Vous l'aurez donc compris, la réalisation de cette extension est plutôt réussie. Si on parle maintenant du comportement des voitures, parce que c'est ce qui est le plus intéressant, faut-il acheter un modèle qui nous plaît ou acheter l'entièreté des voitures? Alors effectivement, si vous souhaitiez tester ce que pouvaient donner ces voitures, il y avait une compétition qui était un contre-la-montre disponible avec l'Audi RS3 LMS depuis quelques semaines sur la plateforme. Aujourd'hui, on retrouve cette voiture qui a un petit peu évolué dans son comportement. Comme je le disais tout à l'heure, toutes les voitures sont des tractions et on le ressent bien ici. Nous avons des châssis de voitures
très compactes, mais elles ont leurs limites en passage de courbe, en grippe, en roulis, en levée de roue arrière à cause de la rigidité du châssis. Tout ceci est retranscrit de manière assez fidèle et j'ai été une nouvelle fois agréablement surpris parce que si vous prenez une voiture du WTCC de 2017 ou de 2016 avec énormément d'aérodynamique, un plus gros moteur, vous sentez que le passage en courbe est beaucoup plus facile qu'avec ces voitures-ci où on sent qu'on est constamment sur la corde et on le voit dans le comportement des IA. Donc tout ce que vous allez voir ici est en mode get wheel, c'est-à-dire sans assistance. Soit vous allez le voir au niveau des IA ou simplement par vous-même ou dans certains endroits. Je prends l'exemple de l'épingle du Druida Brandzach dans la dernière courbe de Blanchimont à Spa-Francorchamps ou encore dans d'autres endroits très techniques, notamment au Nürburgring, le passage de la grande courbe Schumacher, le S Schumacher. Il y a pas mal d'endroits où vous allez sentir qu'en courbe, la voiture a sa limite aéro. Alors, pas énormément de setup possible sur ces voitures, mais il faudra prendre un soin particulier à bien régler la pression de ces pneumatiques, le carrossage, car ça peut avoir vraiment son incidence sur la facilité d'un passage en courbe des voitures. Alors, un autre détail aussi au niveau de la physique, c'est que dans les contacts, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins violent avec ces voitures-ci que certaines, notamment les GT3. Vous pouvez ici jouer à du portière contre portière comme les garçons le font IRL. Et ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Autre point qui aurait pu rentrer dans la réalisation, mais que j'aime bien également extraire, c'est la réalisation des sons. Alors effectivement, quand on voit passer une voiture ou qu'on la suit en caméra embarquée, je vous laisserai en profiter si c'est pas d'ailleurs déjà fait dans la réalisation lors de cette vidéo, pour que vous puissiez vous rendre compte qu'une nouvelle fois, Raceroom reste pour moi, et c'est très personnel, mais je pense que beaucoup de gens sont d'accord, l'une des meilleures références en termes de son, en termes de réalisation sonore. On sait qu'à l'époque de Simbin, les GTR étaient très bons. Une partie de l'équipe de Sector 3 Studios vient évidemment de cette époque-là. Et on les retrouve ici avec, à l'image des anciennes voitures de tourisme qui sont sorties récemment lors de la compétition e-sport DTM pour les 30 ans de la marque en DTM justement. On a pu retrouver vraiment des bruits de turbo qui étaient spécifiques à la voiture des années 90. Donc vraiment, ce pack vaut la peine si vous êtes fan de Super Tourisme. Je pense que si vous êtes vraiment fan, vous avez déjà sauté sur l'occasion parce que ça veut dire que vous avez déjà roulé avec Raceroom et donc avec des voitures de tourisme dans le jeu. Par contre, si vous n'avez encore jamais testé ce genre de voiture, ça peut être une bonne première expérience. Je vous invite, si vous souhaitez une voiture très agréable à conduire, très sympa, à acheter uniquement la Hyundai, qui est peut-être la Hyundai, pour le dire convenablement. C'est sans doute la voiture la plus simple, la plus performante du pack et peut-être la plus fun. Alors après, il y a des différences également avec l'Audi, qui est une voiture 3 volumes. Ça change un petit peu son comportement. L'Alfa Romeo, qui est très petite et très compacte, est un peu plus compliquée. Et si vous voulez une voiture simple, la mieux équilibrée, mais pas forcément la plus performante, mais la plus facile à conduire, allez tester la Seat Cupra. Moi, j'ai pu vous proposer un petit test de cette extension. Je vous proposerai également une série qui débutera le temps de la tournée dans quelques jours, voire quelques semaines, où nous allons incarner l'une des Audi de l'équipe belge Come To You Racing, en hommage à un copain qui travaille bien sûr, un abonné que je salue bien bas. Et voilà, j'avais vraiment envie de faire une série avec un championnat de 8 meetings ou 9 meetings, je dois encore le déterminer s'il y en a un dont je ne suis pas sûr. Mais voilà, vous allez aussi pouvoir retrouver, vous l'avez vu il y a quelques jours en annonce, l'eSports WTCR qui sera disponible sur cette chaîne en live en français. Donc c'est vraiment le contenu officiel. Donc restez connectés, restez sur la chaîne pour checker toutes les informations. Si vous voulez des précisions aussi, j'ai oublié de dire quelque chose, rendez-vous dans les commentaires et n'oubliez pas de me partager votre expérience. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord avec moi, communiquer, c'est fait pour ça. Mais en tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à jouer, c'est le plus important avec ces voitures que j'attendais. Étant un petit peu fan de la discipline, mon avis est peut-être légèrement biaisé par ma passion, mais croyez-moi, je pense que j'ai fait une analyse assez neutre de la situation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo de présentation donc de ce WTCR disponible pour Raceroom Racing Experience. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes et de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine, ciao.